Les solutions hydroalcooliques sont plus efficaces puisqu'elles ont une action désinfectante et elles ont l'avantage de pouvoir être effectuées en l'absence de point d'eau. Toutefois, dans la vie quotidienne, le lavage des mains à l'eau et au savon est déjà une alternative très efficace pour éliminer les micro-organismes. Pour se désinfecter les mains, on va prendre une noisette de produit dans le creux de la main, mettre paume sur paume, bien faire le dos des mains, les doigts entrelacés, bien venir frictionner également le dessus des doigts, les ongles, ne pas oublier les pouces, et on va remonter un petit peu également au niveau des poignets. Et il est vraiment important de continuer cette friction jusqu'à ce que les mains soient parfaitement sèches et douces. Donc là, ça veut dire que le produit a parfaitement pénétré puisqu'on a de la glycérine à l'intérieur qui vient hydrater les mains. Il faudra le faire quand on va rentrer dans un magasin, en sortant d'un magasin, si on a touché son masque et à chaque fois qu'on en ressentira le besoin. Il faudra privilégier un produit avec au moins 70% d'alcool et vérifier sur l'étiquetage qu'il passe bien les normes de virucidie. Il faudra également éviter des produits qui contiennent des colorants ou des parfums, puisque ce n'est pas nécessaire à l'action du produit et ça peut être à l'origine de réactions allergiques.